De la musique tout droit tirée d'un film de Bollywood, au collège Maria Cazares, des élèves indiens dansent, heureux de faire connaître leur culture. Il s'agit d'un échange scolaire. Au départ, tout est parti de la volonté d'un professeur d'améliorer l'apprentissage de l'anglais. Nous avons toujours échangé des lettres avec les écoles aux États-Unis et en Grande-Bretagne et ailleurs. Mais c'est surtout avec les Indiens qu'il y a un rapport qui s'est installé entre les élèves, la volonté de partager, de comprendre, une ouverture d'esprit. Et donc c'est avec les Indiens que nous avons finalement construit le projet. Les collégiens ont été invités à participer à un atelier Danse Bollywood, un amalgame de Bombay et de Hollywood. L'initiation n'est pas facile. En les regardant danser, on a l'impression que c'est vraiment super simple, mais au final, c'est assez compliqué. À leur tour, les collégiens ont appris leur danse, de la Zumba aux élèves de New Delhi. Hébergés dans les familles, les jeunes Indiens commencent à percevoir les différences culturelles. Indians are loud and happy. Les Indiens sont plus démonstratifs. Ils font plus de bruit. Les Français sont beaucoup plus calmes, plus réservés. Pour les responsables indiens, il est important de se rencontrer pour se comprendre. La plupart des problèmes dans le monde aujourd'hui, ce sont à cause de ne comprendre pas l'autre culture. Et avec l'échange, c'est notre but de transformer les étudiants en citoyens globaux. Ensemble, les jeunes ont joué au cricket, une tradition si populaire en Inde. À leur tour, des collégiens sont invités à se rendre à New Delhi en avril prochain.